Pour être renseigné sur l'affaire Dreyfus, ben, je vous conjure de ne pas lire le livre qui se présente sous ce titre précis de l'affaire Dreyfus. Ce livre est signé Dutrec-Rozon avec un trait d'union. En réalité, c'est deux noms factices, ce sont deux officiers, c'est le colonel Delbecq et le commandant, le colonel Larpan et le commandant Delbecq, tous deux ligueurs d'Action française. J'ai étudié ce livre, je peux vous dire, sans exagérer et sans polémique, que c'est exactement un monument d'imposture. Et si vous lisez maintenant l'histoire de France de M. Jacques Bainville, vous y retrouvez les mensonges, et j'emploie un mot qui a juste la taille qu'il faut, les mensonges que Dutrec-Rozon ont essayé de répandre dans leur précis de l'affaire Dreyfus. N'ouvrez pas non plus le livre de M. Gaxot qui s'appelle l'histoire des Français, car vous y verrez sur l'affaire Dreyfus deux pages embrouillées où M. Gaxot s'applique à vous dire « Oh, c'est tellement compliqué cette histoire que les Français aujourd'hui n'y comprendront rien », ce qui va dispenser M. Gaxot de l'Académie française de prononcer les mots qu'il faut prononcer, à savoir que Dreyfus était innocent. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui encore, en 1971-72, aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont persuadés, parce qu'ils relèvent encore de l'esprit d'Action française, qui sont persuadés que Dreyfus était un coupable. Or, Dreyfus était évidemment un innocent. Alors comment donc les choses se sont produites? Figurez-vous que dans l'année 94, on savait à l'état-major français que des fuites se produisaient. À savoir que l'attaché militaire allemand, qui s'appelait le colonel Schwarzkoppen, recevait des informations de quelqu'un. Qui était ce quelqu'un, on ne savait pas. Cependant, comme les services français des renseignements surveillaient l'ambassade d'Allemagne, elle était rue de Lille, comme elle est encore aujourd'hui, et le service des renseignements avait loué un appartement en face de l'ambassade d'Allemagne, au premier étage, qui permettait nuit et jour d'observer qui entrait ou qui sortait de l'ambassade d'Allemagne, on s'est aperçu qu'un commandant français, qui s'appelait le commandant Esterhazy, faisait des visites assez régulières et surprenantes à l'ambassade d'Allemagne. On s'est informé sur Esterhazy, et Sander, qui dirigeait le service des renseignements, avait appris que ce commandant Esterhazy était du dernier bien avec le plus grand personnage de l'armée française, celui qu'on appelait le généralissime, qui s'appelait le vieux Saussier, qui allait avoir sa retraite. On ne peut pas toucher Esterhazy parce qu'il est protégé par Saussier. Et cependant, Sander, chef du service des renseignements, a l'impression que Esterhazy est un drôle de bonhomme. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il n'ose pas toucher Esterhazy, mais il faut tout de même empêcher les fuites. Et en supposant que ce soit Esterhazy qui communique des renseignements militaires à l'Allemagne, il faut l'empêcher de nuire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Le colonel Sander va convoquer chez lui Esterhazy, sous un prétexte quelconque, et va lui demander de remplir un texte. Ce texte, c'est une lettre qu'on ne lui demandera pas de signer et qu'on ne lui demandera pas de dater, et une lettre ainsi conçue. Sans nouvelles de vous depuis quelques semaines, je vous envoie néanmoins sous ce pli un certain nombre de documents qui peuvent vous intéresser. Suivez l'énumération des documents. Des documents concernant la défense nationale française. Il y avait par exemple le fonctionnement du frein hydraulique dans le nouveau canon de 120 cours, la composition du corps expéditionnaire pour Madagascar, etc. Bon, ça n'est pas signé. On le fait photographier. C'est Esterhazy qui a écrit ça. Hein. On lui dit, oh, vous savez, c'est une lettre que nous voulons garder, comme ça, sans lui dire la destination de la lettre. Cette lettre deviendra un argument très important quand on pourra faire croire, suivez-moi bien, quand on pourra faire croire que cette lettre sort de la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand. Mais il s'en doute pas, Esterhazy, il ne sait pas ce qu'on lui veut. Simplement, on lui a demandé de régir ce papier. Le service français des renseignements fait photographier ce fameux document qu'on va appeler le bordereau parce que ça énumère les pièces. Cinq de ces photographies seront faites, très secrètement bien sûr. Une de ces photographies va passer sous les yeux de Saussier. Et Saussier, le journalissime, qui connaissait très bien Esterhazy, va se dire « Mais il me semble que c'est l'écriture d'Esterhazy ». Alors à partir de ce moment-là, Saussier va mettre sous clé ses papiers, Esterhazy allait chez lui, mais surtout Esterhazy était lié avec la très jeune maîtresse, 28 ans, et lui en avait 69, qui s'appelait Madame Weil, qui était une autrichienne, et je pense, là je n'affirme pas, mais je pense que c'était par l'entremise de cette maîtresse autrichienne qu'Esterhazy se procurait des documents, qu'il vendait 1000 francs de documents, c'était quelque chose pour l'époque, à l'ambassade d'Allemagne. Saussier met sous clé les documents, les fuites s'arrêtent. Enfin, les photographies ont été répandues dans le ministère. Alors voilà que le 6 octobre 1994, le sous-directeur du 3e bureau, qui s'appelait le lieutenant-colonel d'Aboville, vient trouver Sander et lui dit, vous savez, j'ai reconnu l'écriture, hein, je sais qui a écrit ça. C'est un juif, c'est le capitaine Alfred Dreyfus qui a été stagiaire à l'état-major. Ouvrons la parenthèse, ce colonel d'Aboville ne se serait pas tellement empressé de reconnaître par erreur l'écriture de Dreyfus sur ce document si Dreyfus n'avait pas été le seul officier juif avoir été un moment stagiaire à l'état-major. Ça avait été un scandale sans nom dans un état-major convenable, de gens de bonne compagnie, de
se voir infliger la compagnie d'un juif. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait dans la haute armée, enfin dans l'état-major en particulier, un antisémitisme virulent. Il faut savoir qu'il y avait un journal qui s'appelait La Libre Parole, qui était dirigé par Drumont, qui publiait, avec l'autorisation de l'État, ce qui est scandaleux, une série d'articles mensuels qui s'appelait Les officiers juifs dans l'armée. Drumont se faisait renseigner, et il savait régiment par régiment quel était le nom des officiers juifs, il les désignait avec leur appartenance. Et il concluait à chacun de ses articles en disant « Un juif égale Judas, Judas égale traître, quand est-ce qu'on chassera ces officiers de l'armée ?» Vous pensez bien que c'est une occasion admirable de faire un exemple, puisqu'il paraît que ce Dreyfus est coupable, c'est lui qui a envoyé des renseignements à l'Allemagne, ben on va le juger et on va le condamner. Général Mercier, ministre de la Guerre, s'y emploie activement, et le 22 décembre 1894, à l'unanimité, sur un dossier à peu près vide, à peu près éthique, où il y a simplement une ressemblance d'écriture contestée du reste par certains experts, sur le vu de cet unique dossier où il n'y a rien, l'infortuné et innocent Dreyfus est condamné à la dégradation militaire et la déportation à vie dans une enceinte fortifiée. Le voilà qui part pour le bagne à l'île du diable dans l'Atlantique à la hauteur de la Guyane. Les mois vont passer, c'est donc en 95, ça se passe en janvier 95, les mois passent toute l'année 95, et en avril 96, celui qui a succédé à Sander à la tête du service français des renseignements et qui s'appelle le lieutenant-colonel Picard, a sous les yeux un document qui concerne cette fois Esterhazy. L'Esterhazy intouchable, hein, parce qu'il est l'ami de Saussier. C'est une lettre que lui a envoyée l'attaché militaire allemand, Schwarzkoppen, et une lettre étrange où Schwarzkoppen lui dit « J'ai besoin d'avoir de vous des explications écrites, pour savoir si je puis ou non continuer mes relations avec la maison R, R majuscule. Ça ne prouve rien, mais il faut faire une enquête quand même. » Alors c'est là où Picard s'aperçoit que, autant Dreyfus était un personnage tranquille et honorable, qui était marié avec une juive, riche du reste, fille d'un diamantaire parisien qui s'appelait mademoiselle Adama, et qui vivait très bourgeoisement et était tranquillement, autant cet homme était un bourgeois rangé et tranquille, autant, en présence d'Esterhazy, on est devant un Rastakouer. C'est un personnage qui est marié avec une fille de la noblesse, du reste, mais qui a abandonné sa femme et ses deux filles, et qui vit actuellement avec une prostituée retirée, enfin il s'imagine qu'il a l'exclusivité de ses services, et il s'appelle la fille Marguerite Pays. Ça ennuie Picard, il sait très bien qu'Esterhazy est bien avec Saussier, mais en fait tout de même, du moment qu'il a découvert qu'Esterhazy est en relation très redoutable avec l'ambassade d'Allemagne, qu'il s'est fait procurer de l'écriture d'Esterhazy, et que l'écriture d'Esterhazy est littéralement semblable à l'écriture du bordereau sur lequel Dreyfus a été condamné, il faut qu'il parle. Alors Picard s'y résigne, il en parle aux deux grands chefs de l'armée, c'est-à-dire le général de Bois d'Effre, chef d'état-major, et l'adjoint au général de Bois d'Effre qui s'appelait le général Gons. Et il a la stupeur de voir que tous les deux lui disent à cause de cet embêtant, vraiment, l'armée française, enfin, est pourrie, voilà, deux traîtres de suite. Il dit, mais non, mon général, vous ne comprenez pas, il n'y a pas deux traîtres de suite. Je viens de découvrir celui, le traître, à la place duquel il y a là-bas, au bagne, un innocent qui s'appelle Dreyfus. Ah non, ça n'a pas question, lui disent les généraux, pas question. On ne rouvrira pas cette affaire Dreyfus. Dreyfus est très bien où il est. Picard s'aperçoit rapidement qu'il a fait une erreur, qu'on lui en veut à l'état-major de cette dénonciation qu'il a faite sur Esterhazy. On le dépossède pratiquement de son titre de chef du service français des renseignements. On l'envoie comme colonel d'un régiment de tirailleurs en Tunisie à Sousse. Il s'inquiète pour sa propre carrière. Il revient en permission en France, nous sommes maintenant en 97, c'est le 21 juin 97. Et Dreyfus est condamné depuis janvier 95. Et ce 21 juin 97, Picard confie à un ami, qui s'appelait Leblois, conseiller municipal de Paris, il lui confie le fond de l'histoire. Il dit, vous savez, je suis très mal vu maintenant en haut lieu parce que j'ai mis la main sur le véritable traître à la place duquel se trouve Dreyfus au bagne. Alors le Blois, qui n'est pas un personnage assez important, va voir un personnage plus important de lui, qui est le sénateur Scheurer-Kessner. Les Français disaient Scheurer-Kessner, qui est un vieux monsieur dont le patriotisme est indiscutable. Scheurer-Kessner va trouver l'autorité militaire, c'est-à-dire le ministre de la Guerre, qui s'appelait Billot maintenant. Il le tutoie en plus, son copain. Et Scheurer lui dit, vous savez, il y a eu une histoire du tonnerre de Dieu, c'est le mot qu'il a employé, il y a eu une faute commise par le conseil de guerre qui a condamné Dreyfus, et il était innocent, il faut réparer ça. Billot dit, moi je veux bien, seulement je ne suis qu'un ministre, et ça passe. Il y a un monsieur qui reste, lui, qui est immobile, c'est le chef d'état-major général de l'armée, c'est Bois d'Effre. Et je suis sûr que Bois d'Effre ne voudra pas, et effectivement, Bois d'Effre ne veut pas. Alors, le 15 novembre 1897, l'affaire Dreyfus explose. Elle est là, qui couve depuis 2 ans, mais presque personne n'en sait rien. Mais tout à coup, ce 15 novembre 1997, Scheurer-Kessner d'une part et Mathieu Dreyfus d'autre part, le frère d'Alfred Dreyfus, lancent dans la presse des lettres ouvertes, l'une au ministre de la Guerre, l'autre au président de la République, en disant « Nous réclamons
la réhabilitation du capitaine juif innocent Alfred Dreyfus et la condamnation à sa place du véritable coupable dont nous pouvons vous donner le nom et qui s'appelle Esterhazy. Or, on avait de quoi faire condamner Esterhazy puisqu'on possédait son écriture. Alors, un certain nombre de journaux, dont le Figaro, il faut dire, dont le Figaro, prennent parti pour Dreyfus l'innocent, ont fait afficher sur les murs de Paris 300 000 exemplaires une double photographie. D'une part, la photographie du bordereau sur le vue duquel Dreyfus a été condamné, et d'autre part, une photographie d'une lettre d'Esterhazy où tout le monde peut voir l'identité de l'écriture. J'ajoute que la lettre d'Esterhazy était, si j'ose dire, gratinée. C'était une lettre qu'on avait obtenue d'une de ses anciennes maîtresses, Madame de Boulancy, à qui il avait escroqué 30 000 francs, alors elle se vengeait. Et cette lettre, qu'il avait écrite jeune, en 82, disait « Le plus grand plaisir, le plus grand bonheur de ma vie serait celui où, à la tête d'un escadron de Uhlans, vous savez, les hussards allemands, où, à la tête d'un escadron de Uhlans, j'entrerai à Paris pour sabrer 100 000 Parisiens. » C'est pas mal de la part d'un officier français. Alors, les quelques amis de Dreyfus, ils sont pas nombreux, ils sont absolument tranquilles. Ils se disent « La vérité est évidente, en fait, tout le monde peut regarder l'identité de l'écriture. » Néanmoins, l'état-major protège Esterhazy. Et lui dit, vous ne ferez pas un pas hein, sans notre avis. Alors Esterhazy va demander lui-même à passer en conseil de guerre, parce qu'on lui a dit au ministère de la guerre, si vous ne demandez pas à passer en conseil de guerre, vous serez persécuté tout le temps par ces gens qui veulent établir l'innocence de Dreyfus. Tandis que si vous passez en conseil de guerre, et nous vous promettons que vous serez acquitté, une fois que vous aurez été acquitté par le conseil de guerre, vous connaissez le vieil axiome juridique, res judicata pro veritate habetur. Une chose jugée doit être considérée comme la vérité. Alors quand nous, armés, dans notre tribunal militaire, nous aurons déclaré que vous êtes innocent, vous êtes couvert à jamais. Le deuxième procès, le premier procès c'était celui de Dreyfus 94, le deuxième procès celui d'Esterhazy le 10 janvier 98, le deuxième procès qui ne durera pas 24 heures, aboutit effectivement à l'acquittement d'Esterhazy, l'acquittement du traître visible. C'est un coup très dur. Alors la France se coupe en deux, hein. On peut dire la France se coupe en deux. Il y a de côté les honnêtes gens, les braves gens, quoi, ceux qui disent mais c'est inimaginable, avec Zola et avec d'autres. Et puis il y a d'autre part les nationalistes qui sont maintenant à la droite et qui se disent à la place de l'infaillibilité pontificale à laquelle plus personne ne croit, nous allons mettre l'infaillibilité des généraux. Il nous faut une armée surtout à usage interne. Alors on va parler du culte du drapeau, on va parler de l'honneur de l'armée. Il est absolument défendu de dire que l'armée s'est trompée. C'est un tumulte, vous savez, brillant. Pensez donc ce que va écrire la Gazette de France le 8 décembre 1998. D'un côté, la vraie France et l'armée. De l'autre, la République et les Juifs. Jamais on n'avait connu encore sous la Troisième République une crise aussi violente. D'autre part, il va se trouver que le colonel Henri, qui a succédé à Picard à la tête du SR, est obligé d'avouer que l'unique pièce qui semblait condamner Dreyfus dans le dossier est une pièce dont il est lui-même l'auteur. C'est un faux. Alors on est bien obligé d'envisager la révision du procès de Dreyfus. Cette révision donne lieu à tous les tumultes inimaginables. La droite va obtenir illégalement du centre-gauche, le dessaisissement de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il faudra que ce soit la Cour de cassation entière qui se décide sur la révision ou la non-révision. La Cour de cassation est bien obligée de se plier devant la réalité et le 3 juin 99, vous voyez si ça avance, le 3 juin 99, la Cour de cassation décide de briser la condamnation de 94 et de faire repasser Dreyfus en jugement. Mais alors à ce moment-là, vous savez, ça commence à être violent. Le président de la République, le nouveau président de la République, Félix Faure est mort dans un transport érotique. Le nouveau président de la République qui s'appelle Loubet passe pour être favorable à la révision. Alors vous vous rappelez, hein, c'est le 3 juin que la Cour de cassation avait brisé le procès de 94. Le 4 juin, une manifestation royaliste à Auteuil, où se trouvait le président de la République. Un baron de Christianie frappe à coups de canne sur le chapeau du président de la République. Le 11 juin, toute la gauche descend dans la rue. Les ouvriers sont mêlés aux étudiants, c'est la première fois qu'on voit ça. Une énorme manifestation qui roule le long des Champs-Élysées, avec intervention de police à la hauteur de l'Élysée. Le ministère va tomber. Jamais on a vu une crise pareille. Cette fois, c'est une très grave crise, parce que du point de vue de l'extrême droite, il y a une volonté de renverser la République, et du point de vue de l'extrême gauche, les ouvriers et les étudiants sont descendus dans la rue. Comment est-ce qu'on va s'en tirer? Eh bien, c'est un monsieur Valdec-Rousseau du centre-gauche qui, de nouveau, arrangera tout.